Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Événement exceptionnel, ambiance exceptionnelle et retransmission exceptionnelle. Bonsoir et bienvenue à nos amis du Nord et du Pas-de-Calais, amoureux devant l'éternel du basket. On se souvient qu'il y a un an, nous étions tous ensemble à Gravelines. Gravelines qui s'était alors qualifiée pour le premier tour de la Coupe Gorach, une Coupe d'Europe que nous retrouvons ici dans le Palais des Sports de Saint-Quentin. Un événement exceptionnel, pour ne pas dire un événement historique. C'est en effet la première fois qu'un club de basket de la région de Picardie se qualifie pour une Coupe d'Europe, la Coupe Gorach, je vous l'ai dit en l'occurrence. Une équipe de Saint-Quentin née sous cette formule SQBB en 1973, de la fusion de l'Amicale Jumentier et de l'Union Sportive des Cheminots. Une équipe du SQBB arrivée en National 1A, c'est récent, en 1988, et qui s'est donc qualifiée cette année, en mai dernier, aux dépens de Montpellier, pour une Coupe d'Europe. Rendons hommage à celui qui a fait ce parcours pendant 3 ans. Il est dans la tribune, Chris Singleton, parti depuis à Mulhouse. Événement historique et donc petit historique, car tout le monde ne connaît pas Saint-Quentin et pourtant presque tout le monde a un jour entendu parler de Saint-Quentin dans le département de l'Aisne, carte postale. Saint-Quentin, le nôtre, en tout cas celui du département de l'Aisne, a longtemps souffert d'avoir un nom fort répandu en France. Pourtant, presque tous les Français connaissent Saint-Quentin. Tous, un jour, sous leurs doigts, ils ont frôlé son hôtel de ville, imprimé sur tous les billets de 50 francs. Le billet de 50, c'est celui de Quentin de la Tour, né en 1704, Maurice de son prénom. Il fut l'un des artistes les plus en vogue dans la société élégante et raffinée du siècle des Lumières. N'était-il pas le peintre du roi ? Avec 62 085 habitants recensés l'an passé, Saint-Quentin est la première ville de l'Aisne, mais laisse la préfecture du 02 à sa voisine Laon. Au centre du triangle Lille-Amiens-Reims, Saint-Quentin est célèbre pour son boudin et ses tripes, plus romantiques, ses beignets ou ses mignonnettes. Des mets bien sûr interdits aux basketteurs du Saint-Quentin Basketball, plus célèbre sous le nom du SQBB. Arrivé en National 1A en mai 1989, le SQBB a arraché in extremis l'an passé la première participation à une Coupe d'Europe d'un club de basket picard. Désormais, les Champs-Élysées, c'est le nom de cette allée face au Palais des Sports construit au siècle dernier sur les anciennes fortifications. Les Champs-Élysées sont presque aussi célèbres que les autres, en tout cas dans le petit monde du basket français et désormais du basket international. De Coubertin, retour donc sur ce plancher avec à mes côtés deux hommes, deux journalistes. Tout d'abord celui qui sera notre consultant chargé des statistiques, chargé de nous expliquer la tactique. Vous le connaissez, Eric Dubuis, notre consultant de l'Aisne Nouvelle. Et puis nous retrouverons tout à l'heure sur le plancher Gilles Lefebvre, que vous connaissez bien sûr aussi, des FR3 Picardie, qui fera les interviews de, que ce soit bien sûr des entraîneurs et aussi des joueurs, pour avoir un petit peu les réactions à chaud d'un match qui sent la poudre, d'un match qui sera chaud, chaud, chaud. On y est habitué ici, dans le nord de la France, qui plus est encore à Saint-Quentin, puisque l'on a l'un des meilleurs publics de France. En basket, c'est important, ça peut jouer, car le basket se joue à peu de points. Et Dieu sait si c'est vrai, eh bien, ce match aller de Coupe Gorach, le premier du SQBB et de ses supporters, eh bien, Dieu sait si c'est un match qui est important, Dieu sait et si ce match aller est déjà capital, non pas pour l'avenir du club, mais c'est vrai que ce sera intéressant de passer le premier tour de Coupe d'Europe, peut-être même le deuxième. On en reparlera tout à l'heure avec vous, Eric, mais je crois que c'est important, eh bien, de dire que pour le plan du basket en Picardie, je dirais que ce match n'est pas capital, mais a une résonance tout à fait particulière, a un impact particulier. Pour une fois, on ne parle pas seulement de finances, pour une fois, on ne parle pas seulement que du sport. On peut parler un petit peu de toute l'éducation que peut amener un match comme celui-là dans une région comme la Picardie, peu habituée encore à la Coupe d'Europe. Tout à fait, c'est un événement sans précédent puisque c'est la première fois qu'une équipe de basket en Picardie se qualifie. Je crois que c'est très important pour Saint-Quentin Basketball, qui a donc renouvelé
carrément son effectif, puisque si on se souvient des joueurs de l'an passé, 80% de l'effectif a été modifié. Bon, les finances, Thierry, vous l'avez dit, on ne peut pas tout à fait l'occulter, mais ont été difficiles, puisqu'il y a eu un passif de 6 millions de francs. De nouveaux dirigeants sont arrivés, un nouvel entraîneur, José Ruiz, et puis également, bien sûr, des nouveaux joueurs, de nouveaux Américains. En fait, c'est un SQBB tout neuf, là, qui est en train de découvrir la Coupe d'Europe. C'est un petit peu cette Coupe d'Europe, la cerise sur le gâteau. Nous allons parler dans quelques instants des deux équipes que vous allez découvrir tout au long de ce match aller de la Coupe Korać avec l'équipe donc du Panathinaikos d'Athènes, l'adversaire promis ce soir aux Saint-Quentinois, qui n'est pas un adversaire facile à prononcer. Panathinaikos, il faut s'entraîner. Mais son nom est aussi difficile à prononcer que cette équipe est talentueuse, puisque ces Grecs, maintenant, sont en Coupe d'Europe depuis exactement 26 ans. Tous les ans, c'est vrai, dans un championnat qui n'est peut-être pas aussi difficile que le nôtre, tous les ans, ils se sont qualifiés pour une Coupe d'Europe, mais c'est vrai, ne l'ont jamais gagné, que ce soit la Coupe d'Europe des clubs champions, que ce soit la Coupe des Coupes ou encore la Coupe Korać. Pour se faire une petite idée de ce que vaut ce Panathinaikos d'Athènes, même si l'équipe a aussi beaucoup changé, eh bien rappelons que la saison passée, déjà en Coupe d'Europe, déjà en Coupe Korać, si mes souvenirs sont bons, tout à fait. Eh bien, cette équipe d'Athènes avait tout simplement éliminé au premier tour de la Coupe d'Europe Antibes, qui allait, les mois suivants, devenir tout simplement champion de France, le nouveau champion de France, qui lui, eh bien, est parti disputer la Coupe d'Europe des clubs champions. C'est donc une sacrée référence que cette équipe d'Athènes. Tout à fait, même si elle a été, elle aussi, beaucoup remaniée durant l'intersaison, puisque pas moins de 4 joueurs sont arrivés, ainsi qu'un nouvel entraîneur. Et quel entraîneur, puisqu'il s'agit de M. Pavlisevic, qui n'est autre que l'entraîneur champion d'Europe en titre avec le Jugoplastica de Split. C'était en mars dernier au POPB de Paris-Bercy. Donc une équipe d'Athènes qui est quand même 26 ans de suite s'est qualifiée pour une Coupe d'Europe. C'est important. Et dans son championnat grec, en 26 ans, l'équipe d'Athènes n'a perdu que 139 matchs sur 670 disputés. Donc c'est quand même un club qui a de gros moyens, et notamment un président qui est M. Yannakopoulos, qui est tout simplement l'une des 5 plus grandes fortunes du pays. Et donc c'est une équipe grecque qui compte également, le Panathinaikos est un club omnisport, il faut le savoir, qui compte 1 million de licenciés. Vous avez bien entendu, 1 million de licenciés entre le basket, le football, le handball et le volley. On va tout de suite vous présenter les deux équipes, alors qu'à l'écran, bien sûr, vous découvrez, vous apercevez ou vous reconnaissez les joueurs du Saint-Quentin Basketball dans une ambiance européenne. Mais surprise, avant de présenter les équipes, Eric, surprise, eh bien le stade Coubertin n'est pas plein, loin s'en faut. Tout à fait, et là c'est quand même une petite déception, parce que le public saint-quentinois qui soutient son équipe n'est pas là ce soir. Paradoxalement, contre Dijon mardi dernier ou encore le Racing samedi, le Palais des Sports avait fait le plein avec 3500 voire 4000 spectateurs, et là on peut estimer une assistance aux environs de 2500 personnes. C'est quand même une petite déception. Voici tout de suite donc la composition de l'équipe du Panathinaikos d'Athènes, une équipe, on vous l'a dit, très solide, entraînée donc par un entraîneur de renom, Pavlisevic, l'entraîneur, l'ex-entraîneur de Split, parti pour des raisons et politiques et financières en Grèce. Une équipe avec deux Américains, deux solides Américains, dont il faudra bien sûr se méfier, qui ont l'habitude de ce genre de match. Il s'agit de Scott Ross, 95 matchs tout de même en NBA. C'est une référence avec l'équipe des Utah Jazz et Antonio Davis, et qui sont donc les deux fers de lance de cette équipe grecque. Tout à fait. Antonio Davis, qui a la particularité d'avoir joué avec Linton Tons, le nouvel Américain d'Evreux, actuellement meilleur marqueur du championnat. Le nouvel Américain de Saint-Quentin, bien sûr, vous l'avez compris, il vient d'Evreux. Tous les deux, Davis et Linton Tons, ont joué il y a 2 ans à Evreux en National 1B. Et là, vous allez voir ce Davis, c'est un beau bébé de 2m08 pour 122 kg. Donc Saint-Quentin va souffrir dans la raquette, mais José Ruiz a une petite tactique au coin. Alors, en ce qui concerne l'équipe de Saint-Quentin, Bruno Rodriguez, Pat Taylor, Christian Ortega, les meneurs de jeu, les shooters, grosse responsabilité. Vous avez vu Terry Williams, lui aussi aura une lourde responsabilité, car c'est le plus grand de ce SQBB, et forcément on compte beaucoup sur lui, comme sur Linton Tons,
Et maintenant Xavier Wallet qui lui connaît bien, il est tellement passé justement avec Gravelines, il a connu tout de même deux tours de Coupe d'Europe et se souvient certainement de ce fameux match et de cette qualification ratée pour un petit point face à l'Estudiantes Madrid, une équipe du SQBB changée à 90%. À 90%, c'est simple, il ne reste plus que Pat Taylor, le rescapé, le dernier des Mohicans, et puis quand même Bruno Rodriguez, même s'il joue peu. Eh ben, il faut parler de lui. Bruno Rodriguez aura peut-être un rôle important ce soir parce que l'effectif de Saint-Quentin, Thierry vous l'avez dit, est assez pauvre, dans la, non pas au niveau qualité, mais au niveau quantitatif. Et ça, c'est un petit peu dommage. Mais ça, je vous dis, c'est lié un petit peu au passif de 6 millions de francs. Il a fallu tout reconstruire. Et là, je crois que Saint-Quentin a quand même bien débuté son championnat dans la mesure où l'équipe de José Ruiz a battu le Racing Paris, a battu Pau Orthez et malheureusement a été défaite deux fois par Dijon et par Roanne. Mais cette équipe de Saint-Quentin mouille le maillot et c'est ce qui plaît bien au public saint-quentinois. Ouais, à noter tout de même qu'à Saint-Quentin, il manque Lionel Ranson qui s'est blessé au poignet, une vilaine fracture du scaphoïde qui est toujours très embêtante. Et puis, il manque quelqu'un qui n'est pas encore dans le club, c'est Jim Chambers, le pivot de Monaco, qui aurait pu venir. Pour l'instant, il a des problèmes avec sa fédération, avec la Fédération Française de Basket. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est un petit peu compliqué. Moment d'émotion pour tout le monde, moment d'émotion pour Thierry, nous, moment d'émotion pour vous. Je suis avec le président Alain Bogart, là, avec beaucoup d'ambiance, comme vous l'entendez. On a peut-être un peu de mal à s'entendre, président. Ce match de Coupe d'Europe, c'est un grand événement qui est attendu depuis longtemps. Mais est-ce que le SQBB, est-ce que le club et l'équipe sont prêts? Mais c'est vrai que c'est tout à fait un événement exceptionnel à Saint-Quentin. C'est vrai que c'est la première fois dans la région qu'un club accède au niveau européen, et tant mieux que ce soit pour le basket. Nous sommes prêts, nous sommes tout à fait prêts à relever le défi. C'est vrai que c'est un gros morceau qui se présente à nous ce soir, mais n'ayez crainte, les gars sont très motivés. Alors, cette équipe grecque, est-ce que vous la connaissiez avant de pouvoir la jouer ici? Non, on ne la connaissait pas beaucoup. La seule chose qu'on savait, c'est que l'année dernière, elle nous avait sorti l'Olympique d'Antibes, qui était quand même champion de France en fin de saison. Et donc, c'est quand même un morceau de taille. Au niveau du club, est-ce que c'est important, un match de Coupe d'Europe comme ça, et de passer le premier tour, est-ce que c'est important, notamment au niveau financier? C'est vrai que c'est très très important. Bon, le match de ce soir est très important pour tous nos sponsors, pour notre public, pour la ville de Saint-Quentin, pour le département, pour la région. C'est important pour tout le monde. C'est vrai que si on avait la possibilité de passer un premier tour, mais après, c'est merveilleux, on peut s'attendre à tout. Alors, ce premier tour, on y pense tous, et c'est sans doute ici, à domicile, à Saint-Quentin, qu'il faudra faire la différence. Ah oui, d'après les renseignements que nous avons eus, nous savons que c'est à Saint-Quentin qu'il faut faire la différence. Et pour pouvoir espérer quelque chose là-bas, il faut qu'on parte avec un minimum de 20 à 25 points d'avance. Un pronostic, président? Comment? Un pronostic? J'ai pas l'habitude de faire de pronostic. Je pense que, étant donné que nous n'aurons pas la pression, si dans les quelques minutes qui vont précéder la fin du match, on a une chance de gagner, je peux vous dire que les joueurs feront le maximum. Ils sont très très motivés. Ça va être dur nerveusement, même pour vous? C'est vrai que ce match-là sera très dur, parce que quand on est assis dans une loge, c'est pas évident. Mais je peux vous garantir qu'après l'épreuve de samedi dernier contre le Racing, je suis prêt à faire face ce soir. Merci. Merci. Merci président, merci Gilles Lefebvre. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, à la fin de la première mi-temps pour une première réaction à chaud. On disait que c'est un tour important, un tour difficile, mais on connaît déjà le match qui sera le vainqueur qui sera opposé au vainqueur de ce match-ci, puisque c'est un tabloïd avec des numéros et en face correspondent les joueurs en Coupe Corage, les équipes en Coupe Corage, pardon. Et on sait donc que le vainqueur de ce match, Saint-Quentin Panathinaikos, rencontrera le vainqueur du match entre les Autrichiens de Klagenfurt et les Yougoslaves de Vojvodina Novi Sad, de la ville de Novi Sad, dont on ne sait pas encore si les Yougoslaves joueront. Ce qui veut dire que si, par exemple, Saint-Quentin se qualifiait et les Yougoslaves ne jouaient pas, eh bien on pourra avoir au prochain tour un Saint-Quentin Klagenfurt. Et ça, c'est particulièrement intéressant pour l'avenir du club. Mais on n'en est pas encore là, le match va commencer. Petite précision tout de même. Vous n'aimez pas forcément tous le basket, même si c'est avant tout un spectacle. Était prévu à notre horaire le magazine Traverse, Cris et Gémissement, l'Union soviétique entre 1987-1990, une série produite et réalisée par Yuris Podniesk. Eh bien, à la fin de ce match, dans environ 1h20-1h25, vous verrez le magazine Traverse. Ne vous inquiétez pas, le début de ce match
les verts du Panathinaikos d'Athènes face aux blancs du Saint-Quentin Basketball. Premier ballon historique, premier ballon européen pour une équipe de basket en Picardie. Premier ballon pour Xavier Wallet, Christian Ortega. Et une composition d'équipe sans surprise côté Saint-Quentinois avec donc Terry Williams en possession du ballon en tête de raquette. Là avec peut-être une récupération de Pat Taylor, non, donc Pat Taylor évidemment, avec également Linton Tons, le numéro 11, ainsi que Xavier Wallace, que les Gravelinois connaissent bien, il porte le numéro 12. Et enfin donc Christian Ortega au poste de meneur de jeu, face à une équipe du Panathinaikos qui utilise 4 joueurs à plus de 2 mètres, et ça va quand même poser problème aux joueurs de Saint-Quentin. Le seul, il fait 1m91, c'est le meneur, Padoulakis, le numéro 9, avec là Antonio Davis qui rate son premier shoot. On est un peu crispé des deux côtés. Et donc ballon récupéré par Christian Xavier Wallet dans un premier temps et mené maintenant par Christian Ortega, le seul à connaître le basket grec. Il l'a connu avec bien sûr l'équipe d'Orthez qui n'était pas encore pour Orthez. Tir de Pat Taylor. Et les 3 premiers points du SQBB en Coupe d'Europe. L'œuvre, c'est un symbole du seul qui soit resté ici avec Bruno Rodriguez. Pat Taylor, lui, il a gagné cette Coupe d'Europe sur le terrain. Et donc, il est le premier à inscrire les 3 premiers points. Eric, un mot sur la tactique employée par les deux équipes. Eh bien, disons que côté Saint-Quentinois, la tactique est simple. C'est mettre une pression, une intensité là tout de suite avec une participation du banc de touche, une défense homme à homme. José Ruiz nous a confié tout à l'heure qu'il fallait serrer la défense sur Davis, qu'il fallait également couper les passes sur le deuxième américain Ross et également mettre la pression sur le meneur de jeu grec, aussitôt la remise en jeu, aussitôt le panier marqué. Ne vous étouffez pas tout de suite, mon petit Eric. Cela fait à peine 1 minute 30 que le match est commencé. 50 mène 3-0. Les Grecs ont la balle, belle action et donc 2 premiers points pour Antonio Davis. 2m08 cet américain, ce numéro 11, talentueux, dont il faudra se méfier. C'est peut-être l'une des armes de ce match. Et Antonio Davis, première faute. Terry Williams qui vient le provoquer. Et donc le coup de sifflet des deux arbitres que j'ai oublié tout à l'heure dans la présentation. Avec d'un côté le Belge Claude Tabroin qui est de Liège. Et le Néerlandais de Groningen, Henk Klinsdender. On a des noms particulièrement difficiles à prononcer ce soir. Tout à fait, il est hollandais et le délégué du match n'est autre que monsieur Ivan Menini, ancien arbitre international français. 3-2 en faveur des hommes de Christian Ortega. Il a la balle, Pat Taylor avec Terry Williams. Linton Tons, le tireur d'élite. Shoot réussi de Linton Tons, ses 2 premiers points. Eric, vous tenez la comptabilité, bien sûr, je vous fais confiance. Et 5-2, excellent départ du SQBB. Et toujours Argyris Padoulakis et son 1m91 pour mener le jeu. Avec la balle là dans les mains de Scott Ross. Et c'est le numéro 10. Alors là, il va falloir repérer des noms. Ouais, le 10, c'est pas Petrou. Argyris aussi, avec Terry Williams tout seul, superbe. Récupération de Terry Williams qui finit son action personnelle. Et 7-2. Excellent départ du SQBB. Alors que le palais Coubertin s'est rempli. Et que l'ambiance monte. Mais ça, on y est habitué. Gravelines, Saint-Quentin. Deux places fortes, deux places chaudes du basket. Récupération Linton Tons. Ortega, ballon important. Et faute. Et Saint-Quentin qui ne pouvait rêver meilleur départ. Mené 7-2 après 3 minutes de jeu. C'est important. Alors que là, monsieur Pavlicevic, l'entraîneur yougoslave du Panathinaikos, critique un petit peu la décision de monsieur l'arbitre. Mais ça, oh là, attention, il y a même une menace de faute technique. Le public saint-quentinois, lui, manifeste également son mécontentement à l'égard du coach visiteur. Mais tout revient dans l'ordre avec une remise en jeu de Pat Taylor. Et la faute était à Dinos Kalamagos, le numéro 14. Pat Taylor en gros plan, 7-2 en faveur du SQBB. On joue depuis 3 minutes, tir de Terry Williams, raté, récupération. La troisième, 2 défensives, une offensive de Xavier Wallet pour le shoot de Christian Ortega. Et 7 points d'avance pour SQBB qui étonne tout le monde. Une équipe saint-quentinoise qui est rentrée sans le moindre complexe dans cette rencontre. Et là, explication technique, Eric, c'est retour. Retour en zone, de toute façon, oui. Dans la mesure où Scott Ross avait un pied dans le camp saint-quentinois, il est revenu dans son camp, retour en zone. Et temps mort réclamé par l'entraîneur yougoslave
du Panathinaikos. Il y a un petit peu le feu dans la maison, 9 à 2. L'équipe d'Athènes ne s'attendait sûrement pas à un tel départ. On écoute José Ruiz. N'oubliez pas, si Davis est là et si Terry est ici, de rentrer un peu aidé sur les passes, ok. Davis a reçu une bonne passe au poste, d'accord. Oui. Qu'on est bien, je peux dire. Oui, mais en défense, n'oubliez pas, coupez les passes sur David, pression dès le début, ok. Allez, c'est pas mal les gars. À une équipe saint-quentinoise particulièrement remontée, on s'en doute bien sûr, puisqu'elle mène sur le score de 9 à 2. Bien sûr, ce n'est que le début du match, mais pensez bien que pour les Bleus de l'Europe, c'est quand même important. Et pour Christian Ortega, qui lui a une expérience considérable, il a disputé plus de 100 matchs de Coupe d'Europe sous le maillot de l'Élan Béarnais d'Orthez. Alors que là, la balle est dans les mains de Xavier Wallez, là, qui écarte pour Christian Ortega. Saint-Quentin avec un bras roulé audacieux de Xavier Wallez, et c'est une nouvelle réussite, 9 points d'avance pour le SQBB qui mène maintenant 11 à 2. Un bras roulé à la Bonato, ça nous rappelle des souvenirs, ça doit vous rappeler des souvenirs. Et une équipe du Panathinaikos qui est un petit peu gênée aux entournures, alors on fait sortir l'artillerie américaine, en l'occurrence les deux premiers points de Scott Ross. Scott Ross dont c'est le premier match officiel sous les couleurs d'Athènes, dans la mesure où dans le championnat grec, vous n'avez le droit qu'à un seul étranger, et Athènes a choisi Davis. Linton Tons tire à 3 points, c'est important, récupération Scott Ross avec son meneur de jeu, Padoulakis. Padoulakis tout seul, attention à ses petites erreurs, récupération Pat Taylor, il faut bien le gérer, Ortega sur le côté avec une passe pour Linton Tons. Terry Williams qui shoot, il est en verve, un petit peu court, récupération encore de Xavier Wallet, mais balle pour les Grecs. Balle pour Padoulakis. Et toujours des problèmes avec Zeliko Pavlisevic. Il a beau être champion d'Europe en titre, c'est un monsieur du basket mondial, bien évidemment, il a amené Split au top niveau européen. Eh bien, tout monsieur Pavlisevic qu'il est, il a une ligne rouge à ne pas dépasser. Et c'est vrai qu'il essaye là d'influencer, alors que ça va mal, il essaye d'influencer l'arbitrage. C'est ça l'expérience européenne. Tout à fait. Une équipe d'Athènes qui ne s'attendait sûrement pas à être menée de la sorte par une équipe saint-quentinoise volontaire, une équipe saint-quentinoise décidée, qui ne se pose pas de questions à l'image de Pat Taylor, même si là, le joueur saint-quentinois échoue. C'était bien joué, mais je pense qu'il faut revenir à des choses peut-être plus collectives. Là, par deux fois, on a vu Terry Williams, puis Pat Taylor, en excès d'individualisme. Or, c'est en jouant collectif tout à l'heure, en début de match, que Saint-Quentin a posé beaucoup de problèmes à cette équipe du Panathinaikos, maladroite à souhait, y compris Antonio Davis, et c'est de mettre 0-8. Antonio Davis qui n'a toujours pas marqué le moindre point, et ça, c'est une bonne chose pour l'équipe saint-quentinoise, avec qui s'organise, là, sous l'impulsion de Pat Taylor, avec un tir à 3 points de Linton Tons. Récupération Davis. 11-4 en faveur du SQBB. La balle pour Scott Ross. Avec son meneur de jeu, Padoulakis à sa droite. Il a Papa Petrou à sa gauche. Voilà, Papa Petrou, le 10. Qui cherche Davis. Davis tout seul. Et panier accordé à Davis. Et faute à la clé. Sans doute à Terry Williams. Le numéro 9 est pivot saint-quentinois. C'est d'ailleurs la première faute du SQBB. Et alors que l'on entame la 7e minute de jeu et que Saint-Quentin est toujours aux commandes sur le score de 11 à 6, Antonio Davis lui se présente au lancer franc. Et en gros plan, Dino Scalabaco, 5m88, 27 ans. Alors qu'Antonio Davis est jeune, 23 ans. Et panier, lancé franc raté, récupération, ça c'est très intéressant, le rebond défensif de Terry Williams, deux de Xavier Wallet, un de Terry Williams, c'est significatif, on sait que ça n'est pas le point fort et pour cause du SQBB, mais avec ce Saint-Quentin-là, nouvelle version, il faut s'attendre à tout. Christian Ortega pour faire tourner le ballon, Terry Williams dans la raquette, Terry Williams tout seul, ah, bien bloqué par Davis, ballon récupéré par Kalabakos.
Alors que José Ruiz n'hésite pas à prendre des risques en faisant jouer les jeunes, puisque Philippe Giralt a remplacé Pat Taylor. Philippe Giralt, international junior, pour qui bien sûr c'était également le baptême de feu européen. Et croyez-moi, à 18 ans, rentrer dans un match de Coupe d'Europe, ça doit être terriblement important. Alors comme vous avez en gros plan Xavier Wallet, c'est sa deuxième faute depuis le début de cette rencontre, commencée maintenant depuis 6 minutes 30. Les explications de Zeliko Pavlicevic. C'est trop dehors, dedans, faut porter le danger dedans, ok. Et là vous entendez José Ruiz. Xavier, faut pas être à côté, faut prendre place préférentielle devant, ok. Écran, ouvrir, ça c'est important. Les attaques sont trop courtes, nous avons péché, on veut shooter trop vite, go. Et donc un temps mort pris par l'entraîneur de Saint-Quentin, alors que le score est de 11-6. Le premier temps mort donc pour José Ruiz, qui a remis un petit peu les choses en place, parce qu'en défense il y avait quelques signes pas très nets. Et donc l'équipe de Saint-Quentin là va essayer de se reprendre, alors que le numéro 14, Kala Bakos, est au lancer franc. Et qu'il réussit son premier, Dinos Galabagos, alors que juste derrière nous, on a le droit à deux ou trois supporters grecs qui ont fait le déplacement. Et en gros plan, Dinos Galabagos, pour un score qui se rétrécit tout doucement. Excellent départ du SQBB, et l'expérience du Panathinaikos parle au bon moment. 11-8, 3 points d'avance, c'est bien. Avec Xavier Wallet dans la raquette. Bonne défense, très bonne défense de Papa Petrou. Linton Tons, 12 secondes avant le shoot obligatoire. Christian Ortega, excellente défense individuelle là des Grecs. Mais Terry Williams passe dessous Scott Antonio Davis et porte le score à 13-8. Il reste 13 minutes à jouer dans cette première mi-temps. La balle pour les Grecs d'Athènes avec leur meneur de jeu, Padoulakis. Padoulakis, 190 sélections dans l'équipe nationale grecque. Lui aussi, un véritable monument. Alors que là, c'est Philippe Giralt, le jeune, l'espoir, qui commet une faute sur Scott Ross, l'Américain. C'est sa première faute et c'est la troisième faute du SQBB. Ballon remis en jeu avec Kalabagos, c'est simple, vous devez avoir appris le nom des joueurs grecs par cœur, on n'a encore rien changé. Là, c'est Scott Ross, facile à reconnaître, très américain dans son style, assez épais, les cheveux très courts à la GI, avec Padoulakis, meneur de jeu, et faute à Christian Ortega. Première faute personnelle pour le capitaine de Saint-Quentin Basketball, et sans doute balle sur le côté avec une remise en jeu par Scott Ross. À une ambiance qui a un petit peu du mal à monter, Thierry. C'est vrai que les musiciens ont joué un rôle important ici dans le public et les musiciens sont muets. Règlement FIBA oblige. Alors que là, c'est Davis qui s'impose devant Williams et permet au Panathinaikos de revenir à 3 points. 13-10, la balle pour Christian Ortega. Xavier Wallet. Wallet tout seul, shoot un peu forcé. Récupération Davis avec Padoulakis. Saint-Quentin qui stagne depuis quelques secondes, depuis ce départ en fanfare. Bien géré maintenant par les Grecs. La solution, c'est d'être patient en attaque, c'est continuer de défendre comme ils le font. Là actuellement, l'équipe saint-quentinoise applique les consignes de l'entraîneur à la lettre. Un entraîneur qui fait beaucoup tourner son banc. Défense homme à homme oblige. Ça aussi, c'était les consignes de José Ruiz. Il sort Xavier Wallez, gratifié de deux fautes personnelles, pour incorporer un autre jeune, Chekou Ndai, qui vient de Dijon. Chekou Ndai, 20 ans, 2m03, Christian Ortega pour mener le jeu. 3 points d'avance pour Saint-Quentin. 11 minutes 30 encore à jouer dans cette première mi-temps. Linton Tons, Christian Ortega dessous. Et faute au numéro 9, Padoulakis, c'est sa première faute.
Une équipe saint-quentinoise là qui pour l'instant réussit bien puisqu'elle mène au score 13-10, un petit score parce que beaucoup de défense, beaucoup d'enjeux bien évidemment. Une équipe grecque qui elle va essayer elle, peut-être dans un premier temps de gagner bien sûr, si ce n'est ensuite limiter les dégâts puisqu'il y a le match retour dans une semaine. Et là quand on connaît l'ambiance du public grec c'est quand même relativement important. Mais Terry Williams lui s'infiltre et va sans doute ajouter deux points, non. C'est récupération Linton-Tons pour deux points supplémentaires. Et le septième point de Linton-Tons qui permet à Saint-Quentin de mener maintenant sur le score de 15-10. Argyris Padoulakis pour mener le jeu alors qu'on a Galabagos juste à sa droite. Défense de Christian Ortega. Il joue avec Galabagos, Scott Ross, Davis. Davis est faute de Terry Williams. Terry Williams, là, première faute personnelle. Va falloir faire important. Va falloir faire attention, pardon, aux fautes. C'est important. C'est ce que vous vouliez dire, Eric. Ne pas confondre vitesse et précipitation. Tout à fait. C'est valable pour tout le monde. Et une équipe de Saint-Quentin, là, qui n'a pas beaucoup de bancs, même si José Ruiz n'a pas hésité à incorporer deux jeunes dans cette bagarre, dans cette Coupe d'Europe, avec Philippe Gérald, le numéro 13, et Chiku Endai, le numéro 10. Ça, c'est pour gérer un petit peu le physique. C'est important dans les fins de match. Alors que du côté de Zeliko Pavicevic, entraîneur du Panathinaikos, on ne change rien. On garde son 5 de départ. Ce qui est quand même intéressant, ce qui veut surtout dire que cette équipe du SQBB lui pose des problèmes. Et il a raison, superbe geste technique de Terry Williams. Le public est heureux, un peu de mal à s'enflammer. Il est un petit peu, comme l'on dit, le derrière entre deux chaises parce qu'il voudrait bien s'enflammer. Et puis il est crispé de se dire, est-ce qu'on va gagner, est-ce qu'on va battre cette terrible équipe d'Athènes. Alors, il faudrait peut-être pas grand-chose pour décoller. En tout cas, du côté du score, ça va bien, 17-10. Geste individuel raté, non, réussi finalement du meneur de jeu Padoulakis. L'expérience ça sert, 200 matchs internationaux quand même. Ça vous permet de savoir quand il faut accélérer et le moment important pour mettre un panier. Il a eu un peu de réussite, mais cela ramène le score à 17-12. On est rentré dans la deuxième moitié de cette première mi-temps et faute à Scott Ross, non, faute au numéro 10 de cette équipe d'Athènes. Papetrou, alors que Gekos fait son entrée en jeu. Et Gekos, c'est un joueur à surveiller lors de la première journée du championnat grec samedi dernier, qui avait vu la victoire du Panathinaikos par le 87-75. Et bien le Gekos, celui qui a plus beaucoup de cheveux là, le numéro 6 grec, avait marqué 26 points. Minos, son prénom, 1m87, 33 ans, ça explique sa calvitie naissante, vous le reconnaîtrez facilement. Il joue avec Padoulakis, on a deux meneurs de jeu si je comprends bien du côté des joueurs d'Athènes, en tout cas un meneur, un ailier, un shooter à 3 points sans doute, Scott Ross. Très adroit à 3 points, du moins à l'entraînement hier. Scott Ross aussi. Oui, tout à fait, Scott Ross particulièrement adroit à 3 points, d'ailleurs il a été recruté dans ce rôle d'ailier. Et 17-15, 9 minutes 12 à jouer, Saint-Quentin toujours devant et ça depuis le début de ce match. De ce premier tour de coupe Korać. Linton Tons, pour l'instant c'est propre dans le jeu. Terry Williams marché. Et le Panathinaikos là qui va se retrouver en possession de la balle et va avoir donc l'occasion d'égaliser, voire même de prendre l'avantage si un panier à 3 points est réussi. 17-15 et encore 8 minutes 50 de jeu. Padoulakis, le meneur de jeu grec. Voilà avec Minos Gekos. Padoulakis sur le côté avec Antonio Davis, shoot raté, récupération Terry Williams, Christian Ortega, pour l'instant on joue calmement, Ortega tout seul et faute à Minos Gekos, sa première, et belle infiltration de Christian Ortega qui a su accélérer au bon moment. En gros plan, notre arbitre néerlandais Henk Glerschneider. Alors que Pat Taylor remplace Philippe Giralt. Et qu'il n'y a toujours pas de lancer franc tiré côté saint-quentinois, dans la mesure où les Grecs n'ont commis pour l'instant que 5 fautes. Christian Ortega pour mener le jeu. La main en l'air. Pat Taylor à sa gauche. Linton Tons à sa droite. Tout seul, voilà, bien joué avec un écran de tout le monde. Voilà une action superbe. Tactiquement, les entraîneurs ne me démentiront pas. Tout le monde fixe tout le monde. Marquage à la culotte et au short. Et on profite du boulevard.
avec les Grecs, c'est sûr, on aura toujours un petit peu de cinéma. Monsieur Padoulakis, le meneur de jeu, en a un petit peu fait, mais ça ne prend pas, alors que Pat Taylor et Padoulakis commencent à s'expliquer épaule contre épaule. Padoulakis, c'est le 9, Pat Taylor, le 11. Et en gros plan, Minas Gekos. Attention à sa patte gauche. À 3 points. Très adroit, Ross. Tout à fait très adroit. Hier soir, lors de la séance d'entraînement, il avait réussi quelque chose comme 30 tirs à 3 points consécutivement. Certes, il n'y avait pas de défense, mais il faut quand même les aligner. 30 tirs à 3 points. C'est sans doute de là que vient le danger. 19-18 pour Saint-Quentin. 7-40 à jouer en première mi-temps. Terry Williams, défense individuelle. Avec Tcheko Ndiaye et faute, la deuxième au numéro 10, Argyris Papapetrou. Et toujours pas de lancer franc pour SQBB. Sixième faute d'équipe et on tire les lancers francs à partir de la septième faute. Et l'ambiance qui monte tout doucement. La surprise est passée et on se dit que ce Saint-Quentin-là pourrait bien nous réussir un petit quelque chose. Pour l'instant, peu importe le résultat, l'important, c'est bien sûr la victoire à domicile dans ce match aller de Coupe Korać. Après, on fera les calculs. Mais attention, parce que ces Grecs ne sont pas faciles à manœuvrer. Sortie de Papapetrou, remplacé par Economou, Nikos Economou. Il n'était pas prévu. Il est arrivé au dernier moment, non pas par preuve d'économie ou d'économou, c'est comme vous voulez, bien sûr. On l'a fait déjà 3-4 fois, on vous l'a fait en direct, au cas où vous n'y auriez pas pensé. Mais il est venu et il est bien là sur le terrain. Il est grand, il est assez costaud, 2m05, il est jeune, 20 ans. Et pour la première fois, à 7 minutes de la mi-temps, Panathinaikos d'Athènes mène 20-19. C'est la première fois que les Grecs mènent. Et là, ça va être intéressant de voir la réaction saint-quentinoise, une équipe de Saint-Quentin qui utilise volontairement les 30 secondes, là c'est Pat Taylor, toujours aussi vaillant. C'est lui qui a tiré à 3 points, il a manqué. Et c'est lui qui est allé chercher la balle, qui vient d'offrir à Williams pour le 6e point de l'Américain saint-quentinois. Terry Williams qui permet à Saint-Quentin de mener 21-20. Et Padoulakis qui s'est fait des copains dans le public pour avoir un petit peu simulé tout à l'heure une faute avec Pat Taylor. Ça fait partie du folklore, ça fait partie du basket. Et faute sur Gekos. Faute sur Gekos là. Sifflé contre Terry Williams. Et panier accordé. Deuxième faute personnelle, panier accordé parce qu'il a été reproché, un joueur saint-quentinois, de toucher la balle avant même qu'elle ne redescende. De toucher, pardon, le cerceau avant même que la balle ne redescende. Et là, Gekos va ajouter sans doute un troisième point supplémentaire et permettre au Panathinaikos de mener de 2 points, 23-21. José Ruiz fait la grimace. Il a raison. Le SQBB est mené. Ça n'est pas grave pour l'instant. Saint-Quentin joue bien. Bien en attaque, peut-être un tout petit peu moins bien en défense. Voilà qui est bien joué avec Linton Tons. Belle passe de Christian Ortega. Et 2 points de Linton Tons, 23 partout. Alors que Saint-Quentin change de défense et ça lui réussit remarquablement. Là, c'est Pat Taylor qui a intercepté la balle là pour Linton Tons. 2 points supplémentaires. Changement de défense aussi soudain qui a donc perturbé l'équipe grecque. On a Christian Ortega, on l'a vu, faire signe défense de zone avec pression sur le meneur. Voilà qui est fait. Et là, Saint-Quentin qui est donc a choisi la défense de zone avec une pression de Pat Taylor sur le meneur adverse. José Ruiz là qui teste un petit peu l'équipe grecque dans cette défense de zone là. Et faute à Tcheko Ndiaye sur Davis. On peut dire qu'il y avait du monde dans la raquette. Et donc deux lancers francs pour Antonio Davis. Alors regardez ce qui se passe. Juste en bas de l'écran à droite, on va demander à Frédéric Astier voilà, de faire un gros plan sur l'entraîneur et son ombre. C'est intéressant du côté de Panathinaikos, je savais bien que j'arriverai à me planter une fois, parce que lui ne parle que le Yougoslave, donc il se fait traduire tout ce qu'il dit par le monsieur qui est à sa gauche, là voilà. Première chose, on a dit, alors que l'on écoute, on jouait en priorité, jeu rapide. Les gars qui sont devant Christian ne regardent pas la balle. Rapide, plus vite, en attaque, plus de mouvement, jouer 4 avec
défense. En gros plan, vous avez vu l'équipe d'Athènes et vous entendiez bien sûr, c'est logique parce qu'en yougoslave j'aurais du mal à vous traduire. Vous entendiez les explications donc de José Ruiz au SQBB que vous allez nous traduire en langage peut-être plus compréhensible pour nous simples êtres spectateurs. Disons qu'il a demandé de travailler un peu plus longuement en attaque, de travailler un peu plus précisément. Il y a eu deux pertes de balles consécutives qui ont donc empêché Saint-Quentin de marquer. José Ruiz a demandé également de resserrer un petit peu plus la défense là sur Davis là, qui a donc récolté une balle qui traînait au rebond. Et un Davis là qui a provoqué la faute de Chikwu Ndai. Et Davis qui est dans ses francs, il a réussi le premier. Et le deuxième lui permet de revenir à égalité 25 partout. 5 minutes, 10 secondes à jouer dans cette première mi-temps. Égalité parfaite, 25 partout. C'est pour l'instant une bonne opération pour les Grecs d'Athènes. Linton Tons, Pat Taylor. Pat Taylor, bonne défense. Là, Pat Taylor tout seul en infiltration. Wow, quelle défense de Davis. Et faute de Davis. Bien battu Chikwu Ndai, il a été au rebond offensif. Et au charbon parce que avec Davis quand même 2m08, il faut y aller. Hein. Et Chikwu Ndai lui ne s'est pas posé de questions. Et Saint-Quentin va se voir offrir la possibilité de tirer son premier lancer franc de la partie. Alors que les Grecs discutent beaucoup. Oui. Là c'est l'Américain Scott Ross qui vient se plaindre à monsieur l'arbitre. On discute énormément. C'est très dans le style grec, dans le style hellénique. Ça se voit au football, ça se voit au basket, ça se voit dans tous les sports. Parce que finalement, la Grèce, c'est un pays très sportif. Et le basket est roi. Il faut savoir là-bas, par exemple, que pas moins d'un match de basket est télévisé par jour. Un match de basket tous les jours. Et donc, on comprend mieux la passion du public grec pour son équipe. Chikwu Ndai a raté ses deux lancers francs, la pression certainement, mais la récupération était signée Thierry Williams. Il a obligé les Grecs à mettre cette balle en touche, Linton Tons. Bonne défense de Scott Ross sur Linton Tons, ça rigole pas de ce côté-là. Il y a deux sacrés bonhommes l'un en face de l'autre. Christian Ortega, sa passe est importante, c'est peut-être lui qui peut faire la décision en attaque. Pat Taylor, 10 secondes avant le shoot, Pat Taylor tout seul. Faute, plus les deux points, 27-25. Superbe action individuelle de Pat Taylor qui a pris cette année une dimension totalement différente par rapport à l'an passé. L'an passé, c'était un bon joueur, c'est devenu un patron maintenant dans cette équipe du SQBB. Quel bon choix d'avoir gardé Pat Taylor à Saint-Quentin, qu'il doit offrir un lancer franc, bien sûr, un seul, puisque les deux points ont été accordés. Ça serait une action à trois points, toujours bénéfique. Et les dirigeants ont également eu la bonne idée de refaire signer Pat Taylor pour deux années supplémentaires. On pense déjà à l'avenir du côté de SQBB. 28-25 en faveur de Saint-Quentin, c'est plutôt bien. C'est même très bien. Panoulakis. Défense de zone côté Saint-Quentinois, là, pour tester un petit peu les tireurs à mi-distance grecs. Attention à Scott Ross, là, qui s'infiltre et sans doute une passage en force. Un passage en force sifflé par l'arbitre belge, monsieur Tabouin. Claude Tabouin. Originaire de Liège. Et qu'une fois, c'est la faute, la première faute, une fois, de Scott Ross, l'Américain. Remise en jeu Chikwu Ndai pour Christian Ortega, qui met donc la tactique en place. José Ruiz y va de son conseil du banc de touche. Une équipe saint-quentinoise appliquée en attaque, là, qui fait bien circuler le ballon. On voit que c'était bien joué, c'était à la limite du passage en force. Dommage que Pat Taylor ait raté son shoot. Un Pat Taylor qui découvre la Coupe d'Europe. Il est en France depuis 7 ans. Il a connu 3 clubs, Le Mans, Dijon et Saint-Quentin. Et il n'a jamais eu la chance de disputer une Coupe d'Europe. Contrairement à Linton Tons qui a joué avec le Real de Madrid. Ou encore Christian Ortega et bien évidemment Christian Wallez l'an dernier avec le BCM. Et deux points pour l'Américain Davis sur une action d'Ekonomou. On est revenu à 28-27. Il reste 3-22 à jouer dans cette première mi-temps. Xavier Wallet va revenir sur le terrain. Linton Tons face à Scott Ross. Ah, belle action individuelle en deux temps. Juste au-dessus des mains de Scott Ross. Il fait 2m09, les bras levés. Ça doit faire beaucoup plus, bien sûr. Mais le panier est superbe. Linton Tons.
Alors que M. Pavlicevic, on le découvre là à l'antenne, conteste encore. Et ça, c'est quand même assez anormal. M. Menini, le délégué FIBA, lui fait remarquer. L'arbitre vient le voir aussi gentiment. Et donc, M. Pavlicevic ne va pas se faire que des amis dans le Palais des Sports de Saint-Quentin. Alors que vous voyez le score, 30 pour les locaux, 27 pour les visiteurs, 3 minutes 02. Qui eût cru au départ que Saint-Quentin était en mesure de résister comme il le fait? Et il fait d'ailleurs mieux même que de résister. Cette équipe de Saint-Quentin joue sans le moindre complexe. Et là, la preuve, avec quand même un besoin certain, Eric, c'est de dire à M. Pavlicevic, l'entraîneur de cette équipe de Panathinaikos, de ne peut-être pas complètement fausser le match. Parce que si on le laisse faire, c'est sûr que là, il va finir par faire la bascule à lui tout seul. Heureusement, ça n'influence rien, en rien, le jeu de cette équipe de Saint-Quentin. 32-27. Et je sens que cette équipe de Saint-Quentin peut poser des problèmes à Athènes, c'est sûr. Une équipe du SQDB qui étonne, qui détonne. Qui joue remarquablement bien le coup. Et quand on voit M. Pavlicevic là, essayer de jouer un petit peu avec les nerfs de tout le monde, on imagine comment cela doit être à Athènes. Soutenu par plusieurs milliers de spectateurs. Et là, c'est Davis qui a défié Cheku Ndai. Il est fort, il est très fort. Ah, il lui a dit, tu vas pas me marquer longtemps, je vais te smatcher dessus. Et voilà qui est fait. 32-29, un Saint-Quentin toujours aux commandes. Alors c'est Galin Tontons, Terry Williams. Trio, triangle magique et 2 points supplémentaires. Et Saint-Quentin qui reprend tout doucement ses distances avant le repos. 5 points d'écart, 34-29. Et Xavier Wallez qui va refaire son apparition. À la place de Cheku Ndiaye, alors que l'on a fait le ménage sous le panier d'Athènes. Et en gros plan Scott Ross, alors que là bien sûr c'est Padoulakis qui mène le jeu. À Padoulakis, Davis et Ross, ils vont rester les 20 minutes complètes. C'est la même chose pour Ortega, Linton Tantz et Terry Williams, Linton Tantz, Ortega, marché. C'est pas évident. Ah non, ça paraît pas du tout évident. Dans le feu de l'action, marché a sifflé l'arbitre hollandais. L'arbitre néerlandais donc a sifflé marché. Et donc là c'est un petit peu la confusion. Là c'est l'arbitre qui vient de décider qu'un temps mort venait d'être pris par le Panathinaikos Athènes. Dommage, dommage. Et en gros plan, Zeliko Pavlicevic à droite. Et José Ruiz pour les conseils. Alors qu'il reste 1:38. Parce que j'ai demandé. Là, il faut qu'on fasse bon, sur la zone. Davis, il est là, c'est homme à homme lui. Ok, quand il est là, on le laisse pas venir là. Quand la balle est là, quand la balle revient là, Davis revient là. Il faut le garder. On l'accompagne jusqu'au poste. On monte, ok. On monte jusqu'au poste avec lui. Si le ballon est là, tu vois le patin. Non, c'est bon, c'est bon. Okay. C'est quand il est à l'opposé. Quand on a la balle, passe back, vite. Et José Ruiz donc qui a demandé à ses joueurs de resserrer un petit peu leur défense. Ils font une sorte de boîte, on appelle ça carrément même une boîte, c'est-à-dire qu'il y a 4 joueurs en défense de zone et un joueur qui prend en homme à homme, en individuel, l'Américain Davis, en l'occurrence Terry Williams. Vous voyez, les défenseurs saint-quentinois protègent leur raquette. Economou, Padoulakis, attention tout seul, il a compris. Pour le tir à 3 points de Scott Ross, bonne défense. Tir raté, récupération Economou, bonne boîte de Wallet. Et finalement, faute à Xavier Wallet, sa troisième. Et celle-là, elle est particulièrement sévère parce qu'il n'avait pas bougé les pieds. Il avait mis les mains au-dessus. Décision, deux décisions là, terrible des... Enfin terrible, non, n'exagérons rien. De décision sévère des arbitres, le marché et la troisième faute de Xavier Wallet, ça c'est embêtant. Troisième faute personnelle pour Xavier Wallet. José Ruiz va sans doute procéder à un changement. On voit François Petit, l'ancien joueur de Caen qui a été champion du monde militaire il y a quelques semaines à Athènes. Justement, ça lui fera un bon souvenir la semaine prochaine. Alors que notre ami Nikos Economou, du haut de ses 2m05, a réussi. C'est deux lancers francs, 34-31, la dernière minute de jeu de cette première mi-temps. Et faute à Economou justement, cette fois sur Xavier Wallet.
Ekonomou là, qui a essayé de provoquer Xavier Wallez en cherchant peut-être une réplique du joueur saint-quentinois. Une quatrième faute aurait été bienvenue pour l'équipe grecque, mais José Ruiz, lui, ne prend pas de risque, et c'est bien légitime. Il incorpore François Petit à la place de Xavier Wallez. 57 secondes. Mais Xavier Wallez est obligé de revenir sur le terrain pour tirer les lancers francs. C'est légitime. Ah, le basket, c'est avant tout un règlement appliqué à la lettre. Et c'est pas facile d'être un homme anglais. Xavier Wallez, le premier raté. Et donc, balle au grec, puisque c'était un plus 1. Et grec, et en l'occurrence, balle pour le grec, Padoulakis. Et s'il n'y a pas d'arrêt de jeu d'ici la fin du temps réglementaire, il reste 45 secondes à jouer. François Petit ne pourra pas rentrer. Attention à cette équipe grecque qui va sans doute jouer sur Davis, marqué actuellement par Xavier Wallez. Pas de faute. Pas de faute. Xavier Wallez, ça sera sa quatrième. Ça serait terrible pour Saint-Quentin. Avec une bonne passe pour Ekonomou tout seul. Oh, j'ai cru qu'il allait le rater, mais finalement, il le réussit. 25 secondes à jouer. Un point d'avance pour Saint-Quentin. On a le temps. On a le temps. Passe de Greg. Oui. Refusé. Panier refusé, estime monsieur l'arbitre. La faute a été sifflée avant que Christian Ortega ne marque le panier. Oui, décision là aussi contestable. Un petit peu contestable, mais l'arbitre est seul juge. Ça ne changera rien. Les protestations des Saint-Quentinois, d'ailleurs, ils ont vite compris. Ils se sont calmés. Ils se sont surtout concentrés sur leur match. Allez, le premier lancé franc, Ortega important. Il faut le mettre celui-là, Christian. Ah, dommage, Terry Williams. C'est balle pour Padoulakis. 18 secondes à jouer. Et Athènes, qui donc est menée d'un point, 34-33, va peut-être pouvoir passer devant avant le repos. Bien sûr, un tir à 3 points de Gekos, c'est manqué. Terry Williams tente la réception. Balle pour les Grecs, 3 secondes à jouer. 3 secondes à jouer, attention au tir à 3 points. Sans doute une tactique, le numéro 12, Scott Ross, va se placer. Il faut le marquer. Et voilà. C'est la mi-temps. Avec ce score de 34-33. En faveur du SQBB, Gilles Lefebvre, Gilles est sur le plancher. Il a essayé d'attraper José Ruiz qui a des consignes à donner à ses joueurs et qui est parti précipitamment. 34-33, c'est un bon résultat pour l'instant. Gilles Lefebvre a trouvé l'homme de la situation en l'occurrence. Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe nationale. Francis Jordan là, qui va venir donc au micro de Gilles dans quelques instants. Et le temps pour nous d'attraper notre caméra, bien sûr. Hein. Tout ça, c'est en direct et vous comprenez bien qu'il faut un petit peu de temps. 34-33, c'est plutôt bien. C'est même plutôt très bien. On peut même dire que c'est carrément inespéré quand on voit le palmarès du Panathinaikos. Une équipe du Panathinaikos qui nous fait pas une impression formidable, Thierry. On a l'impression qu'elle n'a pas pris très au sérieux cette équipe de Saint-Quentin. Une équipe de Saint-Quentin qui se bat bien, qui joue bien, à l'image de Linton Tons, qui a été un petit peu effacé là dans la deuxième partie de la première mi-temps. Ouais. La défense s'est resserrée sur lui. Et Gilles est avec Francis Jordan. Alors que quand même, on va saluer nos pom-pom girls, on n'en parle pas souvent, mais à la mi-temps ici, c'est un spectacle tout à fait étonnant auquel nous assistons. On a le droit à une petite pause musicale et on se régale systématiquement. C'est vrai que c'est pas facile. Gilles, saluer Francis Jordan pour nous, parce qu'on le connaît bien et il a des rapports avec la presse privilégiés et exemplaires. Alors Gilles, avec Francis Jordan, sélectionneur national, un petit mot sur cette première mi-temps que nous trouvons, nous, étonnante du SQBB. Oui, Thierry ? Oui, Gilles, allez-y. Oui, Thierry, Francis Jordan, donc quel est votre avis sur cette première mi-temps et sur la performance de Saint-Quentin ? Ben, je crois que Saint-Quentin d'abord surprend. Et il est rentré dans ce match sans complexe, avec détermination en défense et en essayant de couper le jeu rapide d'Athènes. Ensuite, il y a eu quelques problèmes de réglage sur la défense, en particulier sur les tirs extérieurs, mais conserve la maîtrise du match.
Je crois que c'est de bon augure pour la seconde période. Saint-Quentin vous a surpris ? Surpris agréablement par la maîtrise que Saint-Quentin affiche face à une équipe qui est expérimentée en Coupe d'Europe. Donc je suis assez confiant pour la suite du match. Alors justement, la deuxième mi-temps, lorsqu'on est comme ça, lorsqu'on mène au score d'un tout petit point face à une équipe aussi solide que l'équipe grecque, qu'est-ce qu'il faut faire d'après vous, tactiquement ? Ben, je crois que le secteur défensif doit être toujours renforcé. Et puis il faut essayer peut-être de varier le rythme à l'attaque de façon que l'écart puisse se faire. Car il ne faut pas oublier qu'un match retour à Athènes, et dans ce contexte-là, ce n'est pas le fait de gagner ce soir. Certes, ça serait une performance pour Saint-Quentin, car c'est une grande première en Coupe d'Europe, mais surtout de penser au match retour. Merci Francis Jordan. Merci Francis Jordan, merci Gilles. On vous retrouve à la fin de ce match. Et nous, on vous retrouve dans quelques secondes. Je ne voudrais quand même pas vous couper trop vite. Le plaisir d'admirer nos pom-pom girls saint-quentinoises avec leurs jolis petits minois et leurs jolies petites danses. On se retrouve tout de même, pensons au spectacle et au sport, dans quelques secondes. En faveur du SQBB, retour dans notre bon vieux palais des sports Coubertin, que l'on trouve, c'est vrai Eric, un petit peu, non pas tristounet, mais sans la fanfare, sans l'habituelle ambiance que l'on connaît en championnat, et pour cause, hein, les règlements internationaux sont totalement différents, on n'a pas le droit de faire de bruit, de musique pendant le match, alors ça nous paraît un petit peu bizarre. 34-33, c'est parfait pour le SQBB, c'est vrai que toute la Picardie, vous l'avez constaté, est derrière cette équipe de Saint-Quentin, pour l'instant ça marche bien. Juste avant le début de ce match, dans 30 secondes de cette deuxième mi-temps, un petit mot, les chiffres sont toujours très éloquents en basket, Eric. Tout à fait, avec une petite déception pour le camp saint-quentinois qui est assez maladroit dans les tirs à 3 points. 20% de réussite, un tir réussi sur 5. Et ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Assez maladroit également au lancer franc. 20%, un tir sur 5 également. C'est inhabituel, hein. Ah, tout à fait. Mais quand on loupe des lancers francs à ce stade de la compétition, on risque de les regretter en fin de match. Le meilleur marqueur pour l'instant, c'est assez équilibré, c'est Williams pour Saint-Quentin, suivi de Tons, donc Williams qui a 12 points. Linton Tons qui a 10 points, il n'y a pas de Taylor, 6 points, Ortega 4 points et Wallace 2 points. Allez, gars, allez, bon, allez. Une équipe de Saint-Quentin qui va sans doute essayer d'imprimer un rythme un peu plus rapide en attaque. Fast break a crié tout à l'heure José Ruiz. Il faut jouer beaucoup plus rapide offensivement pour faire courir ces grands joueurs grecs. Et une équipe de Hélène assez décevante. On vient de discuter là avec des journalistes grecs qui ont fait le déplacement. Ils sont au nombre de 3 et ils ont dit qu'ils n'ont jamais vu jouer Athènes comme ça. Alors, est-ce que c'est Athènes qui joue mal ou est-ce QBB qui joue bien? Sans doute un peu des deux. Certainement, c'est reparti depuis 5 secondes. Christian Ortega, un point d'avance en faveur des Blancs du Saint-Quentin Basketball. Terry Williams en tête de raquette. Christian Ortega, il ressort le ballon avec Linton Tons. Tons dans son dos, Pat Taylor tire à 3 points raté. Récupération de personne, si ce n'est de Scott Ross. Et pour mener le jeu, Minos Gekos. On n'est pas reparti avec le même 5 de départ du côté des Grecs, puisqu'on a laissé Minos Gekos, l'ancien 33 ans. Enfin, on est jeune à 33 ans, mais en basket, ça fait un petit peu ancien, puis il a un petit peu ce profil-là. Eh bien, on l'a laissé sur le plancher. Scott Davis lui est resté 3 secondes de trop dans la raquette sur ce même plancher. D'où ce coup de sifflet de notre arbitre belge. Et ce ballon qui revient à Christian Ortega. Et Saint-Quentin repart à l'attaque avec son capitaine Christian Ortega là pour Pat Taylor. L'équipe de Saint-Quentin là qui est assez patiente en attaque. Elle cherche bien sûr les,
les 30 secondes quand elle ne peut pas jouer rapidement, c'est-à-dire quand elle ne peut pas imposer de contre-attaque. On fait bien tourner le ballon, on cherche le tir le plus facile. Là, c'est Linton Tons qui est en 1 contre 1, bien pris Linton Tons. Là, c'est Terry Williams qui, en tête de raquette, marque. C'est plus un numéro 3, c'est plus un ailier rebondeur, Terry Williams. Il joue numéro 5, il joue pivot dans l'équipe de Saint-Quentin parce que c'est le plus grand de l'équipe. Mais il a quand même des qualités de shooter à mi-distance qui sont quand même assez intéressantes. Et 3 points d'avance pour Saint-Quentin. Attention à Padoulakis, bonne défense de Williams, coup de sifflet, faute de Terry Williams. C'est sa deuxième faute. Je dirais même que c'est sa troisième faute personnelle. Troisième faute à Terry Williams, 3 fautes à Xavier Wallace. Il va falloir gérer donc bien sûr les fautes, c'est important. Ce qui est assez marrant, c'est que dans ce marrant, entre guillemets, dans ce match de Coupe d'Europe, qui est quand même un premier tour de Coupe Corach, qui a de l'importance hein, au football, 2 buts d'avance, c'est très important. Et on a tendance à un peu oublier le score. C'est dire si on avait cru cette équipe d'Athènes peut-être trop forte pour le SQBB, compte tenu du résultat de l'an passé contre Antibes. Or, bon, c'est vrai, on pourrait peut-être s'intéresser aussi à l'avantage, parce que gagner, c'est bien, mais gagner avec une marge de 5-6 points, ça peut être conséquent pour le match retour. Tout sera difficile, c'est sûr, il sera une mission impossible, mais à Saint-Quentin, 91-92, rien d'impossible. L'équipe de Saint-Quentin là, qui repart à l'attaque avec toujours Christian Ortega pour Pat Taylor. Vous voyez, on a essayé de jouer vite au départ et puis là maintenant on va jouer une attaque placée. On va essayer de mettre en position. Là, c'est Xavier Wallace là, qui travaille bien, qui va se faire un petit peu plaisir avec un bras roulé. Ça, il le fait bien, Xavier Wallace. C'est le deuxième de la soirée quand même. Tout à fait. C'est une de ses armes secrètes et favorites. Et pas facile à faire. Et 3 points d'avance pour Saint-Quentin. C'est bien. Padoulakis en retrait avec son tireur d'élite qui rate pourtant Minos Gekos. Récupération Davis et interception Pat Taylor avec la hargne. Il y a pourtant de la différence entre les 2m08 de l'un et le 1m94 de l'autre. Mais à l'arrivée, 2 points de plus pour Saint-Quentin. 2 points de plus pour Saint-Quentin. Xavier Wallace, toute la détermination de l'équipe saint-quentinoise sur cette action. Elle joue avec beaucoup de cœur, comme elle l'avait fait contre Pau Orthez ou contre le Racing. Ça lui avait souri. Une équipe de Saint-Quentin qui n'a pas de gros moyens, mais avec un cœur comme elle possède, tout est possible. Et le Panathinaikos est en train de perdre un petit peu de ses couleurs. Mené de 5 points, là c'est Gekos qui s'infiltre, qui va sans doute marquer. Non. Maladroit la contre-attaque, maladroit, 2 tirs ratés de suite de Minos Gekos, c'est le moment. Ah dommage, Padoulakis et son expérience vient d'arrêter une balle qui aurait pu être déterminante, car 5 points d'avance pour Saint-Quentin. Davis, Scott Ross, attention, tire à 3 points. Faut pas le laisser tirer, il est particulièrement adroit, on en a parlé tout à l'heure en première mi-temps. Ah lui, les 2 pieds au sol, ça rentre assez facilement. Là c'est Pat Taylor qui a marqué, mais l'arbitre refuse le panier, un petit peu comme en fin de première mi-temps tout à l'heure avec Christian Ortega. Panier. Et troisième faute pour Padoulakis. Ça c'est important aussi, parce que du côté de Saint-Quentin, c'est vrai que Thierry Williams a 3 fautes, c'est vrai que Pat Taylor a 3 fautes, que Xavier Wallet a 3 fautes, mais le meneur de jeu grec a 3 fautes. Et depuis le début de la rencontre, il est toujours resté sur le terrain, soit exactement 23 minutes 30 de jeu effectif. Linton Tons pour le shoot, la fin de shoot à 3 points, il s'infiltre. Terry Williams tout seul. Ah, trop court. Un peu court, Terry Williams, récupération Gekos pour Padoulakis. Ça serait intéressant de l'obliger à faire une quatrième faute, Padoulakis. Il irait faire un petit tour sur le banc. Attention à Scott Ross, il est à droit, le bougre. Bonne défense là de Linton Tons. Et 5 secondes. En basket, il est interdit de garder le ballon plus de 5 secondes en main. Le règlement a été appliqué et Athènes perd une attaque. Récupération Christian Ortega. Et plus 2 pour le SQBB. Ballon important à bien gérer, Christian Ortega. C'est ce qu'il va essayer de faire. Ballon entre les jambes. Ortega tout seul. Terry Williams dessous. Faute de Ross. Bien joué. On a l'impression que cette rencontre se joue sur un faux rythme. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points marqués, beaucoup de défenses de part et d'autre, beaucoup de maladresse également, puisque l'équipe de Saint-Quentin, dans les tirs extérieurs, a tourné à 20%, c'était les 3 points, a été un petit peu plus adroit dans les tirs à 2 points, avec 49%.
gros match de défense, bien sûr. On essaye de préserver l'accès de son panier. Là, c'est des changements côté grec. Padoulakis, le meneur de jeu avec ses trois fautes, est remplacé par le numéro 5, Georgios Skropoulatos. Linton tente sa 3 points, il est important. 43-38, 5 points d'avance pour Saint-Quentin grâce à ce super panier de Linton Tuntz. 15 minutes et 25 secondes à jouer. Et c'est Minos Gekos qui mène le jeu maintenant avec Skropoulatos. La rentrée aussi de Papa Petrou, le numéro 10. Scott Ross tout seul de sa main gauche. Tir raté, mais faute de Linton Tuntz. Faute de l'ailier américain Saint-Quentinois, deuxième faute personnelle, non première même, carrément, première faute de Linton Tuntz, ça ne veut pas dire qu'il ne défend pas, hein. Mais ça veut dire qu'il le fait bien. Et José Ruiz, qui a beaucoup de mérite de réussir ce qu'il réussit avec cette jeune équipe de Saint-Quentin, équipe d'avenir et de devenir, et trois secondes pour Scott Davis dans la raquette. Ah, il est intraitable l'arbitre belge, monsieur Claude Tabouin, il est intraitable. Et une équipe de Saint-Quentin qui, au fil des minutes, à l'image du public, commence à croire en ses chances de victoire, inespérées au départ, faut bien le dire. Et une équipe de Saint-Quentin là, qui a la possibilité d'augmenter son capital point. Xavier Wallet pour Terry Williams, force un peu son shoot, mais il réussit. Et 7 points d'avance, 45 à 38, encore 14 minutes et 40 secondes à jouer. C'est 7 points d'avance. Ouais. C'est très intéressant. Il a du souci, Zeliko Pavlicevic. Gikos avec Scott Ross. On l'a beaucoup vu, l'américain. Davis aussi qui perd la balle. Davis. Oh, que le match est peut-être en train de basculer. Voilà un moment psychologique et tactique important. Surtout que Linton Tuntz réussit 3 points. 10 points d'écart, 48-38. Il y a toujours dans un match de basket ou d'autres sports un moment clé. Eh bien, c'est le premier moment clé de la partie. Et c'est du délire ici. À Saint-Quentin a trouvé le bon rythme. Là, c'est une faute de Linton Tuntz, sans doute. Deuxième faute personnelle. Et attention, changement de tactique, mais changement de joueur également côté grec, avec l'entrée en jeu du numéro 7, Andritsos, qui compte tout de même 130 sélections en équipe nationale, et il n'a pas joué du tout de la première mi-temps. Nous avons eu l'occasion de le voir hier soir à l'entraînement. Lui aussi est un redoutable shooter. Saint-Quentin devra se méfier, c'est peut-être l'arme secrète de l'équipe grecque. Une équipe grecque qui est donc reléguée à 8 points maintenant avec le panier de Scott Ross. Une équipe grecque qui se doit de réagir pour au moins limiter les dégâts dans l'optique du match retour mercredi prochain. À force de dire que cette équipe de Saint-Quentin est une petite équipe, à force de dire que c'est une équipe qui aura du mal contre un tel ou un tel, il va falloir s'habituer à dire que cette équipe de Saint-Quentin est capable de battre n'importe qui. C'est vrai qu'a priori sur le papier, mais vous savez, en sport, sur le papier, on peut en écrire des choses, ça ne se passe jamais comme ça dans la réalité. Cela est favorable en ce moment au SQBB. On s'en frotte les yeux et on s'en frotte les mains, bien évidemment, pour cette soirée exceptionnelle de basket sur FR3 Nord-Pas-de-Calais. Picard raté d'Linton Tuntz, c'est Ortega qui fait une faute sur Gekos. Ballon touche simplement. Non, faute, tout à fait Thierry. Une faute un petit peu sévère quand même là. Christian Ortega joue le ballon, bien sûr, il accroche la main du meneur de jeu. C'est sa deuxième faute grec. Alex, joueur du Béarn, qui en avait pleuré en ouverture du championnat d'avoir battu ses ex-coéquipiers. Gekos avec Skropoulatos. Skropoulatos qui cherchait Scott Ross. Bonne défense d'Ortega. Gekos à sa gauche. Ils ont un peu de mal à se comprendre hein, entre Gekos et Ross. Il y en a qui parle grec, l'autre américain. Shoot à 3 points. Raté, récupération Terry Williams. Linton Tuntz, Christian Ortega pour une contre-attaque rapide, tir d'Ortega forcé un petit peu, récupération de Scott Ross et faute de Xavier Wallet, la quatrième. Quatrième faute de Xavier Wallet et entrée en jeu logique de Tchekou Endai. Quatre fautes de Xavier Wallet, dont le tempérament, dont la volonté de réussir. C'est son péché mignon, ah, oui. C'était déjà le cas avec le BCM. Je me souviens qu'on l'avait un peu découvert la saison passée, justement en Coupe d'Europe, avec l'équipe du BCM. Et son péché mignon, c'est toujours un petit peu cette volonté
qui correspond à son physique aussi, de toujours vouloir se battre, récupérer les ballons. On ne lui reprochera jamais ce genre de choses, mais c'est vrai que là, ça fait mal. 4 fautes à 8 minutes 30 du coup de sifflet final. Les Grecs à 8 longueurs du SQBB. Ross, Andritsas et interception de Pat Taylor. Il faut la jouer. Voilà qui est bien fait. Il a progressé ce Pat Taylor en quelques mois. C'est étonnant. Ah, il a pris une nouvelle dimension. Je crois que le jeu rapide, le jeu de contre-attaque, Pat Taylor aimait ça. Il était enfermé dans les systèmes la saison dernière avec une équipe de Saint-Quentin qui jouait donc beaucoup la défense. Et quand on défend beaucoup, on a du mal un petit peu à récupérer de l'énergie. On a du mal aussi à avoir des ballons en attaque. Et Pat Taylor là est en train d'éclater complètement dans cette équipe de Saint-Quentin. Et il s'affirme comme l'un des leaders d'une équipe qui est en train de déjouer les pronostics, puisqu'elle mène de 10 points, 50 à 40 points. Tire à 3 points, raté, récupération, encore Terry Williams. Pat Taylor, c'est peut-être un petit peu fort. Et faute de Skropolatos, sa première. Et balle saint-quentinoise, c'est vraiment du 100% de réussite. Mais rien à dire, la superbe défense de Terry Williams. Le jeu rapide en contre-attaque alors qu'on n'avait encore jamais vu. Nouvelle arme secrète, ça explique ces 10 points d'avance à 12 minutes du coup de sifflet final. C'est tout simplement prodigieux, tout simplement étonnant. Et faute à Skropolatos, la deuxième en 5 secondes. Une nouvelle faute provoquée par Pat Taylor. Une équipe saint-quentinoise vraiment bien dans sa peau. Là, la victoire contre le Racing samedi dernier a fait un bien fou aux joueurs de José Ruiz, qui applique également les consignes de leur coach. Je crois qu'il y a vraiment une très bonne ambiance actuellement dans cette équipe. Il n'y a pas vraiment de stars. On a envie de se battre pour le maillot. Et je crois que les joueurs qu'a choisi José Ruiz correspondent bien au style de rendement souhaité par l'entraîneur saint-quentinois. J'oserais dire que c'est un petit peu la nouvelle politique. 3 secondes dans la raquette de Tchekou Ndia. Il bat au grec 10 points d'avance. C'est un petit peu la nouvelle mentalité, la nouvelle philosophie des clubs Picard. On le sait, on le voit en football, que ce soit Amiens, Beauvais ou Saint-Quentin. On n'a pas trop de finances, alors on fait confiance à des joueurs du cru. On a fait la même chose cette année en hockey sur glace. C'est le cas aussi, peut-être un petit peu forcé par les finances du basket. Mais c'est vrai que cette nouvelle philosophie, eh bien, elle a le mérite d'attirer le public. Elle a le mérite aussi de donner des matchs passionnants. Et elle a le mérite de redonner sa vraie valeur au sport, c'est-à-dire, eh bien, quelque chose comme l'on voit là avec un nouveau raté du Minos Gekos et un ballon qui à mon avis était plutôt pour les Grecs. Bon, on va être un petit peu chauvin à 11 minutes 12 de la fin, on ne se plaindra pas qu'il soit pour Christian Ortega. 10 points d'avance, ballon au saint-quentinois. Eh bien celui-là ça paraît pas, mais c'est un ballon important. Ah, tout à fait là, un ballon important là que les saint-quentinois vont essayer de gérer sur une attaque placée. On va commencer bien sûr à jouer un petit peu la montre. On va jouer les 30 secondes en attaque. Là, c'est Linton Tons là, qui tire. Là. Oh là là, le ballon, il s'enfuit de très peu. Récupération de Davis. Ah, le ballon l'a flirté avec le cerceau. Capricieux. Alors, ballon de basket. Il est rentré, ressorti et toujours 10 points d'avance. Et superbe défense des saint-quentinois. On appelle ça un triangle et deux. C'est-à-dire qu'il y a 3 joueurs de Saint-Quentin en défense de zone, si vous voulez, alors qu'il y a 2 joueurs au marquage de Grec. Troisième faute de Linton Tons. Troisième faute de Linton Tons. Troisième faute pour Terry Williams. 4 fautes pour Xavier Wallet qui est sur le banc de touche. Ça, c'est important. Davis au lancer franc. Un lancer franc pour Antonio Davis, 2m08, bien dans le style américain. Il le réussit et 7 points d'avance, 50-43. On est quand même dans le dernier quart de ce match, à 10 minutes et 25 secondes. Et le total des points fait 93. C'est dire si les défenses sont acharnées et efficaces. Terry Williams. Ah, un véritable match de Coupe d'Europe là. Saint-Quentin découvre l'Europe et s'en sort remarquablement bien pour l'instant. 7 points d'avance et peut-être plus là avec Linton Tons qui essaie de défier Scott Ross. Là c'est Terry Williams qui perd le ballon. Bonne de défense de Davis là. Ah, c'était presque l'interception de Linton Tons, il avait eu du nez. Et José Ruiz lui a dit en passant, fais tourner quand tu es en attaque, fais tourner.
On revient au jeu, tir à 3 points raté. Récupération de Chekou Ndiaye. Une équipe grecque plutôt maladroite qui n'arrive pas à s'exprimer sur la défense choisie. Troisième faute de Skropoulatos. Le tout en 3 minutes. Il n'est pas venu pour rien. Je dirais même que c'est la quatrième quand même. Quatrième faute personnelle. Lui il va trop vite pour moi, j'arrive pas à le suivre. Et retour sans doute de Gekos sur le terrain. Voilà qui est fait. Pavlicevic, l'entraîneur yougoslave, a appelé son pointeur attitré. 26 points lors de la première journée de championnat. Il faut dire que quand même que cette équipe grecque doit manquer de rythme, doit manquer de compétition. Il faut savoir qu'elle a repris simplement le championnat samedi dernier. Et Saint-Quentin est beaucoup plus en jambes. Alors on a l'habitude de dire qu'il faut tuer le match, kill the game, disent les Américains. C'est peut-être maintenant, les Grecs vont peut-être s'essouffler un petit peu. C'est le moment de les prendre, c'est le moment de les abattre, entre guillemets, bien sûr, de leur marquer le point qu'il faut. Terry Williams, là, oui, ça a été dur, mais c'est dedans. Et plus 9 pour le SQBB, et 9 minutes et 10 secondes à jouer dans ce match encore, dans cette deuxième mi-temps. Et Argyris Padoulakis est revenu, nanti de ses 3 fautes. Et Giorgos Kropolatos. Et toujours le triangle plus 2 choisi par José Ruiz. Ça marche remarquablement. Passe. Le contre avec Pat Taylor. Ah, dommage. Il a raté son dribble. Et balle au grec, c'est tout à fait légitime. Pat Taylor a raté son saut et son dribble. Ça arrive. Pat Taylor, 30 ans, 1m94. Une équipe grecque patiente, elle aussi, elle ne s'affole pas. Pourtant, elle est menée de 9 points. Il reste 8 minutes 30 à jouer, mais elle ne s'affole pas. Elle place son shooter, en l'occurrence le numéro 7. Andritsos, Livaris Andritsos, c'était pas académique, mais bon, c'est dedans. Plus 7, c'est pas mal, on signerait bien pour ça à la fin du match, plus 7. Je crois que tout le monde aurait même signé dès demain avant le coup d'envoi pour une victoire qui restera de façon historique pour l'équipe de Saint-Quentin. Linton Tons ajoute 2 points supplémentaires. Et Scott Ross reste par terre. Il se demande un petit peu ce qui lui arrive, quand même fait 90 matchs en NBA. Il se retrouve en Grèce, il revient en Saint-Quentin en Coupe d'Europe, il aligne les points et quand il regarde le tableau d'affichage, il se dit que cette équipe de Saint-Quentin mène de 9 points et il commence à se demander ce qui ne va pas dans la machine. Entraîné tout de même par le champion d'Europe en titre, Zeliko Pavlicevic. C'est vrai qu'il n'a pas les mêmes joueurs, ça c'est sûr. On n'a pas tous les jours un coup de coq dans son équipe, parti depuis à Trévis, blessé d'ailleurs pendant 2 mois là, le meilleur européen. Et nouvelle récupération, j'oserais dire nouveau raté des Grecs, mais nouvelle récupération du SQBB. Voilà, avec Chekou Ndiaye. Et on a eu l'occasion de mesurer toute la volonté et toute la détermination des joueurs saint-quentinois, puisque sur le rebond défensif, il n'était pas moins de 3 joueurs. Et regardez l'arcade sourcilière gauche d'Andritsos, elle a explosé sous le coup de coude de Chekou Ndiaye. Involontaire, ça c'est sûr que l'on a mis du poids dans la raquette. Alors que le coach yougoslave Pavlicevic lui fait comprendre qu'elle n'est pas si involontaire que ça, bien sûr. Ouais, bon, enfin, c'est ça, c'est guerre. Sûr qu'avec lui, ça n'a pas de problème. C'est spectaculaire, c'est normal. C'est l'arcade sourcilière. Ça se répare avec un petit point de suture. Enfin, demain, il aura le droit à un petit œil au beurre noir saint-quentinois. Voilà, les explications sont terminées. Andritsos se rassoit et Chekou Ndiaye est au lancer franc. Il avait raté les premiers tout à l'heure, ses 2 premiers tout à l'heure. C'était les 2 premiers du SQBB. Alors que notre ami Livaris Andritsos sort avec le médecin de son club pour aller se faire sans doute mettre un petit point de suture sur la carte sourcilière droite. Ça lui fera un souvenir saint-quentinois. Chekou Ndiaye est au lancer franc. Va-t-il marquer son premier point de la soirée? Plus 9 pour l'instant, plus 10. Chekou Ndiaye, du haut de ses 2m03, et seulement 20 ans. Et 2, plus 11, 56-45.
11 points d'avance, c'est important. Francis Jordan, l'entraîneur de l'équipe de France, en parlait tout à l'heure. Il disait que si Saint-Quentin avait la possibilité de gagner, il devrait soigner son goal average. Les Saint-Quentinois sont en train de soigner ce goal average en menant de 11 points, 56-45, mais il reste tout de même 7 minutes à jouer. Grosse défense de tous les joueurs Saint-Quentinois. Je crois que c'est surtout en défense que SQBB est en train de construire son succès. Bah c'est quand même fou, Eric. On est en train de parler de goal average, on est en train de parler de soigner son avance, alors qu'il y a de cela deux heures, on ne parlait même pas de victoire Saint-Quentinoise. C'est absolument fou. Deux ratés de suite, mais Davis fignole quand même, il est là. Contre-attaque avec Pat Taylor. On ne confond pas vitesse et précipitation, c'est très bien joué dans l'esprit. Williams là qui va aller chercher la faute peut-être, mais non. Là, il a les deux points, c'est pas mal. C'était l'un ou l'autre. Si on avait pu avoir les deux, c'était encore mieux. On se contentera des deux points. 58-47, c'est du délire. Les absents ont eu tort. Ça, c'est sûr, pour une première historique, les absents ont eu tort. Et je pense que vous passez une très bonne soirée. Récupération de Chekou Ndiaye encore, superbe. Tout le monde au même diapason, Pat Taylor sur le côté droit qui fait un malheur, Linton Tons. Tout de suite avec Thierry Williams dessous pour provoquer Davis. Et oh, qui marque. Superbe action et temps mort réclamé par les Grecs. Il y a un petit peu le feu à la maison, 13 points d'écart. 13 points d'avance pour Saint-Quentin Basketball qui étonne tout le monde ce soir. Une équipe de Saint-Quentin qui joue sans le moindre complexe et qui est en train de réussir un superbe challenge. Mais écoutons plutôt José Ruiz. En fait, de José Ruiz, on a le droit aux commentaires. Ça va, parce qu'il parle un peu anglais. Je pense que là, on va essayer de serrer au maximum la défense du côté des Grecs et on va shooter à tout bas. Je pense que là, dès qu'on est en attaque, on va balancer. Alors, à ce petit jeu-là, soit les Grecs réduisent le score dans des proportions tout à fait jouables pour eux dans leur caveau, puisque c'est comme ça qu'on appelle leur salle, ça fait plaisir à l'idée de se déplacer là-bas. Ou alors, ils ne sont pas à droit, et dans ces cas-là, le SQBB peut réussir quelque chose de doublement historique. C'est déjà fait pour le petit 1, le match en Coupe d'Europe, le petit 2, c'est une qualification au premier tour, ça serait extraordinaire. Alors ça, je suis sûr que personne n'y avait encore pensé. Alors qu'on n'y pense pas, surtout que là, tout le monde se bagarre, et voilà, ballon récupéré par Ortega. Il y avait Davis, il y avait Ekonomou, il y avait 4m06 à eux deux, et finalement, c'est Saint-Quentin qui récupère et Linton Tons qui obtient les lancers francs. Faute à Scott Wass, le 12, sa troisième. Et là aussi, c'est sérieux. Une équipe grecque qui doit se demander si le ciel n'est pas en train de lui tomber sur la tête. C'est vrai que c'est ce qu'il y a de pire pour un grec. Hein. Tout à fait. Il y avait les Gaulois et maintenant, il y a les Grecs pour ce genre de petites choses. Et ceux-là, ils sont importants, Linton. Linton Tons. Ah oui. Meilleur marqueur de l'actuel championnat de France avec 30,2 points de moyenne par match. Ah, ses yeux et ce 15e point d'avance, c'est extraordinaire. 5 minutes 30 à jouer et le SQBB mène de 15 points. Premier tour de Coupe d'Europe, Coupe Korać. C'est absolument incroyable. Ah, si ça pouvait en rester là, je vous imagine, vous imaginez plutôt le match en retour. Et faute à Chekou Ndiaye sur la pénétration d'Antonio Davis, alors que Papa Petrou va rentrer à la place d'Ekonomou. Ah, c'est du délire, 15 points d'avance. Et en gros plan, monsieur Antonio Davis, 23 ans, 2m08. Et là, Henk Glertsnijder, arbitre néerlandais. Davis, facile.
Et pourtant, il y a deux bons Américains dans cette équipe d'Athènes. Hein. Davis, Ross, c'est du tout bon. Bonne paire américaine. Le deuxième est raté, succès de dire. Récupération Scott Davis, Gekos, Padoulakis. Le meneur de jeu avec sa genouillère au genou gauche. Gekos, qu'on n'a pas beaucoup vu finalement. Hein. Il sera loin du record de samedi. Attention, tir à 3 points, fin de tir, il pénètre dessous, il y avait un petit marché à la clé, je pense. Récupération et contre-attaque avec Pat Taylor. Il a encore confondu vitesse et précipitation, Pat Taylor là-dessus. Ça va faire mal sur le retour car il n'y a plus que 3 joueurs de l'équipe du SQBB. Et logique, ce match, Davis, attention, 62-50. Ah, ça c'est le genre de ballon qui risque, qui font mal Thierry, parce que ça fait quand même 2 fois que ça arrive à Pat Taylor. Bien sûr, il ne le fait pas exprès, mais ça fait quand même 4 points en moins pour le SQBB. Et puis ça fait aussi surtout 2 points supplémentaires pour les Grecs. Thierry Williams, plus 12 pour le SQBB. Attention, Linton Tons. On a resserré la défense individuelle. 5 secondes avant le shoot. 5 secondes, 3 secondes. Et 5 secondes dans les mains de Linton Tons. Ah, petit passage difficile là. C'est maintenant que le premier tour de Coupe Korać est en train de se jouer. Dans les 4 minutes 07 qui sont là, mais surtout dans la minute qui va suivre. Car l'écart sera important avant le long déplacement à Athènes mercredi prochain. C'est maintenant que ça se joue. Gekos avec Scott Ross. Attention, tir à 3 points de Kalabagos. Heureusement, ce n'est pas un fin tireur. Gekos, on va chercher le tir à 2 points là de Gekos, réussi. Un double écran dont a su profiter Gekos et un temps mort sans doute demandé par José Ruiz. On va aller voir José Ruiz parce que là c'est important maintenant. Derrière les gars, allez. Maintenant, approche Terry. C'est à eux de prendre des risques. On joue longtemps maintenant, on tient le ballon. On augmente la marque en bouclant 2 et 3 fois les mêmes systèmes. Ok, voilà, on cherche les fautes et les 1+1. C'est à eux de venir nous chercher le ballon. On peut jouer longtemps sur inside. On peut jouer longtemps sur 2. On peut jouer longtemps sur 4. Ok, sur les 3. Mais longtemps, on les joue 1 fois, 2 fois, 3 fois. Go! C'est clair. C'est à Athènes de prendre le match à son compte. C'est Athènes qui est mené de 10 points, 62-52. C'est donc à Athènes de prendre des risques et à Saint-Quentin de savoir gérer son avance, notamment en faisant tourner la balle 30 secondes en attaque, les 30 secondes autorisées par le règlement. Et sans doute une illustration de ce que vient de dire José Ruiz sur l'action de Christian Ortega, mais bien évidemment, si l'opportunité d'un joueur libre se présente, Saint-Quentin ne laissera pas passer l'occasion d'ajouter 2 points supplémentaires. Mais là, on fait bien tourner la balle. Allez, il est capital ce ballon, il faut le mettre dans le panier. Christian Ortega. 5 secondes avant le shoot. Et faute à Gekos. Il se demande bien ce qui lui arrive. Ça, c'est une bonne chose pour Saint-Quentin que le chronomètre soit arrêté. 26 secondes de jeu. Une attaque placée de 26 secondes et une faute en supplément pour les... Il faut les mettre derrière. Il faut au moins en mettre 1 sur 2. C'est là que l'expérience ça compte. De ce côté-là, Christian Ortega, ça va. Marqué avec lui, il n'y a pas grand-chose qui ne va pas. Toujours difficile de parler en bien d'un joueur parce qu'en général, ça ne lui réussit pas. Alors que José Ruiz a demandé à Terry Williams de venir défendre au cas où. Ce qui fait que Terry Williams est tout seul sous son panier. Le deuxième est réussi, plus 12 et 3-10 à jouer. Plus 12 pour Saint-Quentin, bien sûr. C'est vraiment au cas où vous arriveriez à ce moment et vous avez raté un superbe match de basket. Et peut-être une victoire. Oh là là, les Grecs qui confondent un petit peu leur système. Allez, de jeu. Les Grecs n'arrivent absolument pas à lire la défense choisie par José Ruiz. Triangle plus 2, ça les Grecs ne connaissent pas ou ne comprennent pas. Là c'est Scott Ross à 3 points, attention il est à droit. Ouf. Oh, il était 1 mètre derrière la ligne. Une ligne qui est située, Eric on le rappelle. Ah, c'est une bonne question, 6 mètres 25. Ça faisait au moins 8 mètres.
quel beau shoot. Ah, ça fait mal, 64-55. Les Grecs, qui eux ont vu déjà jouer Saint-Quentin en cassette, ils avaient récupéré, je ne sais pas où d'ailleurs, la cassette de Saint-Quentin Portes. Sans doute du côté du Béarn. Alors je vois mal Saint-Quentinois donner la cassette aux Grecs. Donc, Et comme c'est pas nous, ça doit venir du Béarn, effectivement, alors que Saint-Quentin n'avait jamais vu jouer le Panathinaikos. Ah, comme quoi, hein, les cassettes, ça suffit pas. La preuve. Enfin, attention. José Ruiz n'avait eu simplement qu'une cassette. C'était du Panathinaikos l'an dernier. Et elle lui a été fournie par Georges Fischer, l'ancien entraîneur d'Orthez et du Racing, qui entraîne Laris Salonique. Fischer qui a donc donné des conseils à l'équipe, à José Ruiz. À mon avis, c'était bon. Allez, je crois que Saint-Quentin va gagner. Maintenant, l'intérêt de la Coupe d'Europe, c'est de savoir eh bien, à combien de points d'avance on aura dans l'avion pour aller à Athènes, la faute à Tchekou Ndiaye. Non, à Thierry Williams, c'est sa quatrième. 1,34 à jouer, 9 points d'écart. Ah, si on pouvait franchir la barre des 10, ça serait une bonne chose. 10, c'est pas joué, mais ça nous promet un match retour d'enfer. Marquer l'enfer là-bas, il n'y a pas de problème. Hein. Davis, il est à droit, c'est pas maintenant qu'il va les rater, bien sûr. Comme quoi, on peut avoir la main qui tremble. Voilà, Christian Ortega, on ne la perd pas surtout. Terry Williams, attaque 26. Très importante, une attaque très importante pour Saint-Quentin. Il va donc attendre le moment idéal, peut-être là avec Linton Tons. Il aura un coup d'œil sur le chronomètre. Il y va en un contre un, il va chercher la faute et provoque la faute de Davis. Ouais, indiscutable. Saint-Quentin est en train de nous faire quelque chose d'extraordinaire. Si vous ne connaissez pas vraiment le basket, ou même si vous connaissez bien Saint-Quentin, ce que fait Saint-Quentin là, c'est superbe. Les Grecs en ont perdu leur basket. C'est quand même incroyable. Linton Tons, oui. Ah, c'est la différence. Davis à droit rate, c'est lui qu'il ne faut pas tout à l'heure. Linton Tons ne le rate pas. Et José Ruiz est en train de faire aussi quelque chose d'extraordinaire avec cette équipe-là. Plus 10, plus 11. Une équipe que les journaux spécialisés avaient condamné à la relégation. Oui, ça leur a pas fait plaisir, je les comprends. Mais c'est vrai que sur le papier, si on ne les voit pas jouer, c'est difficile. On sent qu'il manque un pivot à cette équipe. Et puis comme quoi, eh bien, on peut faire des choses avec la volonté, avec le travail, beaucoup de travail. Tout à fait. À l'entraînement, croyez-moi, c'est pas une partie de plaisir, c'est peut-être plus dur que les matchs, faute de Pat Taylor, alors que le passage en force de M. Gekos était limite. 47 secondes à jouer, 50 points d'avance, 50 à gagner, c'est sûr. Enfin, c'est déjà quand même une surprise, colossale surprise, la presse spécialisé va se déchaîner demain sur cette équipe de SQDB. 51 à gagner maintenant. Maintenant, on pense à ce premier tour de Coupe d'Europe. Et je ne sais pas pourquoi tout à l'heure on y pensait. On pensait au futur adversaire. Si l'équipe de 51, alors Gekos il le rate aussi, si l'équipe de 51 bat le Panathinaikos et passe le premier tour, je vous ai dit, si les Yougoslaves ne jouent pas, super, 51 peut jouer au tour prochain. Les Autrichiens de Klagenfurt. Et Saint-Quentin est capable de passer deux tours en Coupe d'Europe et de disputer alors les poules. Ça serait phénoménal. 39 secondes à jouer. Plus 13 d'avance avec Terry Williams là au rebond. Et toute l'expérience de Christian Ortega, il a jeté un coup d'œil sur le chronomètre. Il s'est dit, il reste 43 secondes à jouer. Si je veux encore attaquer à la prochaine fois, il me faut absolument marquer. Voilà qui est fait. Et en plus, en prime, un lancé franc. Saint-Quentin est en train de réussir un superbe pari. 37 secondes à jouer, 14 points d'avance. Ah, ça commence à être pas mal. Hein, attention, parce que le match retour sera difficile. Mais quand on voit jouer Saint-Quentin ce soir, on se dit qu'elle est capable de voyager loin, cette petite équipe. Gekos se lance franc, il n'a pas été bon, il n'a pas été à droit. Ah, les Grecs limités à 55 points en 40 minutes de jeu. C'est quand même quelque chose d'assez incroyable, alors que là les Grecs estiment qu'il y a un peu d'eau, un peu de sueur sur le terrain. L'arbitre, lui, ne veut rien savoir. Il n'a pas tort. C'est lui le maître à bord. Allez, 69-55. Gekos se lance franc, réussi. 69-56.
13 points d'avance, toujours 37 secondes à jouer. Le public est heureux, on s'en doute. Ah, c'est du délire. Minas Gekos, le deuxième réussi. Un baptême réussi de la sorte face à une équipe aussi prestigieuse que le Panathinaikos d'Athènes. C'est quelque chose. 12 points d'écart et balle en main pour Christian Ortega. Et 12, ça serait bien pour aller à Athènes. Ce serait très bien. Christian Ortega, il a de l'expérience. Il la garde, la balle. Terry Williams. Pat Taylor. Linton Tons. Il faudrait peut-être prendre le shoot, là. Il restait 4 secondes à jouer. Tons perd le ballon. Attention, les Grecs ne doivent pas marquer. 5 secondes encore à jouer. Kekos va sans doute essayer de provoquer une faute. Non, il y va en 1 contre 1. Va-t-il marquer? Non, fin du match. Plus 12 pour le SQBB. Victoire historique pour un match historique. Et Saint-Quentin qui a énormément de chances de réussir un exploit, à savoir passer le premier tour de la Coupe Korać. Ça devient une réalité après cet exploit et cette victoire 69-57. Merci Frédéric Astier. Une interview à chaud tout de suite là dans l'ambiance. Gilles Lefebvre va devoir se démener sur le plancher bien sûr, parce que les joueurs sont déjà sortis, vont venir. Oh, quelle performance. Et quelle déception sur le visage de l'entraîneur yougoslave de cette équipe grecque, Zeliko Pavlicevic. Et quelle victoire saint-quentinoise. Ça valait le coup de venir, ça valait le coup de faire ce petit effort et de vous diffuser le match le plus tôt possible. C'est notre volonté sur FR3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie, ça n'est pas toujours très facile bien sûr, mais quand on peut on le fait. Et quel plaisir de trouver cette récompense des bleus et blancs saint-quentinois dans une ambiance un petit peu folle, mais on commence à s'y faire. Les Saint-Quentinois sont rentrés au vestiaire pour bien respirer, pour bien recevoir cette victoire. Victoire de groupe, victoire qu'ils veulent fêter entre eux l'espace de quelques minutes. Pas forcément dans beaucoup de bruit, mais dans les vestiaires tout simplement. Et Gilles a attrapé José Ruiz. Voilà, José Ruiz sur le plancher avec Gilles Lefebvre. José Ruiz, merci d'être venu tout de suite à l'instant. Quel match extraordinaire que vous avez pu faire ce soir. Fantastique. Et il est encore là dans les tribunes. Je suis très content. C'est au-delà de vos espérances. C'est au-delà de vos espérances, cette victoire. C'est bien, nous avons fait une bonne deuxième mi-temps. Je suis content. En plus, vous avez mené depuis le début, vous avez résisté jusqu'au bout. Oui, bravo aux garçons, ils ont bien joué. D'après vous, quelle est la grande qualité de vos garçons ce soir? Le courage. C'est plutôt bien pour la suite, pour le match retour. Le courage et l'amour propre et la volonté, c'est bien. Le match retour? Je sais pas, on verra bien, merci. Merci. Le match retour dans une semaine, mercredi soir, le SQBB ira à Athènes pour un match historique avec un avantage de 12 points. 69-57, merci à toute l'équipe des FR3 Nord-Pas-de-Calais-Picardie qui était là ce soir. Merci à Frédéric Astier pour la réalisation. Et bravo, mille bravo au SQBB. Vous avez le droit de passer une excellente soirée, ne la fêtez pas trop. Et on se retrouve bientôt dans une semaine avec bien sûr les héros de ce soir, les héros de cette victoire saint-quentinoise au grand complet, dans une ambiance un petit peu folle. On avait vécu ça l'an dernier avec Gravelines. Quel plaisir de retrouver cette même ambiance un an plus tard ici à Saint-Quentin. Excellente soirée, faites des beaux rêves, c'est facile. Saint-Quentin bat le Panathinaikos d'Athènes 69-57. Le prochain rendez-vous de sport, bien sûr, dimanche 12h05, 12h45, cette fois-ci du basket féminin avec Orchi Valenciennes. Bonne nuit. Trois petits points, Saint-Quentin a laissé en Grèce sa qualification pour le second tour de la Coupe Korać.
vainqueur de 12 points dans l'Aisne. Le SQBB vient de s'incliner de 15, 77-62. Dans une ambiance de feu comme prévu, Saint-Quentin a pourtant longtemps tenu toute une première mi-temps. Williams et Tons ont fait preuve d'une adresse insolente. Tant et si bien qu'à la pause, l'exploit était toujours possible, Négrec n'ayant alors que 3 petits points d'avance. En fait, tout a basculé en début de seconde mi-temps. Tout d'abord, les Grecs ont très vite, trop vite sans doute, refait leur handicap, puis poussé les Saint-Quentinois aux fautes personnelles. Wallace puis Williams vont ainsi sortir pour 5 fautes. Héroïquement pourtant, le SQBB va tenir, s'accrocher même à l'image de Linton Tons, 28 points à lui tout seul. Jamais, vraiment jamais, nous en sommes témoins, les jeunes Axonais ne vont s'écrouler. À 1 minute 10 de la fin, Tons a même l'occasion quasiment d'assurer la qualification, en vain. À 13 secondes de la fin, le SQBB est pourtant toujours qualifié pour un petit point. Deux lancers francs, puis une perte de balle de Pat Taylor vont enterrer tous les espoirs axonais, battus, rappelons-le, 77-62. En Coupe d'Europe, plus encore qu'en championnat, l'héroïsme ne suffit pas, dommage, surtout avec un arbitrage, en l'occurrence israélien et italien, un arbitrage, comme l'on dit, à la maison. Désormais, les 50... Au lever d'Europe, une belle carte postale. En quelque sorte, un leurre de pierre, car ici, la vie de tous les jours n'est pas simple. Si chaud et si beau pour les millions de touristes, le soleil est un ennemi ou presque pour l'Athénien moyen. Le SQBB, lui, était prévenu avant ce long voyage. On leur avait promis l'enfer, ce n'était ni du bluff, ni de l'intox. Pays pauvre, sans grande distraction, la Grèce transforme ses supporters en fanatiques. Un décor idéal, sorti d'un autre monde, inimaginable ou presque en Coupe d'Europe, facilite les débordements en tout genre. Jeune, sans expérience européenne, le SQBB a pourtant joué crânement sa chance. Posé en attaque, autour de son meneur Christian Ortega, les Terry Williams ou ici Linton Tons vont entretenir longtemps l'espoir. Tant et si bien que le Panathinaikos ne va jamais réussir à déborder cette équipe du SQBB. Un ultime coup de patte de Linton Tons et Saint-Quentin n'est finalement mené que 39-36. Le bonus est alors de plus 9 après 3 mi-temps. Pas mal, presque étonnant. Mais 26 années consécutives de Coupe d'Europe, un entraîneur prestigieux, un arbitrage sous pression, vont suffire pour voir Panathinaikos fondre sur le SQBB. Dans un premier temps, Scott, l'Américain, et Gekos, le meneur de jeu, vont vite, trop vite, refaire le handicap du match aller. Fort d'un banc mieux garni avec ruse, les Grecs vont aussi obliger Wallace dans un premier temps, puis Terry Williams à sortir pour 5 fautes. Dans une ambiance de feu, le bras de fer à la grecque va alors durer jusqu'au bout. Pourtant, à 13 secondes de la fin, Saint-Quentin est encore qualifié pour un petit point. Mais deux coups de sifflet et litigieux, le premier ici, surtout vu par les Picards, vont offrir aux Athéniens une qualification pas forcément méritée, mais arrachée in extremis sur le terrain. Score final 77-62, Saint-Quentin sort la tête haute, exclu de la Coupe Corach pour 3 petits points. Les regrets plus de la manière que sur le fond. Hein. Le Panathinaikos va continuer, ils ont plus d'argent, plus d'effectifs, un coach de renommée, c'est peut-être eux qui devaient continuer. Je regrette que ce ne soit pas le sport qui ait décidé. L'année prochaine, le Panathinaikos jouera dans un palais des sports de 18 000 places, ça promet. Saint-Quentin, lui, pense désormais exclusivement à son maintien en championnat.